Le Gabon, notamment le chef de l'État, convié officiellement au tout premier sommet saoudo-africain. C'est la principale substance du message de Sa Majesté Salman Ben Aziz Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, au président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Message convoyé par l'ambassadeur plénipotentiaire d'Arabie Saoudite au Gabon. J'ai l'honneur aujourd'hui de rencontrer Son Excellence Brice Oligui Nguema, président de la transition chef de l'État gabonais, pour transmettre à Son Excellence l'invitation de Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, pour assister au premier sommet saoudo-africain qui se tiendra à Riyad le 10 novembre 2023. Et nous avons échangé avec Son Excellence sur les excellentes relations existant entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Gabon. Le Royaume d'Arabie Saoudite et le Gabon entretiennent des relations bilatérales fortes depuis plusieurs décennies. Riyad souhaite accompagner le Gabon dans plusieurs secteurs d'activité, une ferme volonté réaffirmée au cours de cet entretien du Palais Rénovation. Et les relations de coopération et d'amitié entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Gabon sont des relations solide et le Royaume d'Arabie Saoudite tient à renforcer ses relations et pour le moment il y en a des études et des échanges sur les domaines que le Royaume d'Arabie Saoudite peut accompagner le Gabon. Le sommet saoudo-africain à venir est une nouvelle opportunité en vue, si possible, d'identifier de nouveaux mécanismes dans l'élan de fluidification de la coopération entre les deux États, voire la densification de la coopération multilatérale avec les autres États présents. Le renforcement de la coopération sud-sud étant bien inscrit dans le champ de dynamisation de la coopération prônée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions.